Ça en fait YouTube, je suis Suzgub et je suis très content de vous retrouver pour un petit aspect sur Punishing Grey Raven. J'ai encore du mal avec le nom de ce jeu, on va l'appeler PGA. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça, c'est la collaboration du coup avec Nier Automata. Collaboration qui colle vraiment bien au thème du jeu, vraiment, parce que dans ce jeu, t'as aussi des androïdes. Faut être niveau 40 pour le faire correctement, sinon tu peux toujours, en fait, tu peux toujours pull. Tu vois, tu as une bannière sur laquelle tu peux pull en fait directement Echu ou 9S. Et je veux dire, je dis Echu et l'autre, je dis 9S, je dirais appeler 9S. Et en fait, cette bannière-là, elle est jusqu'à demain, je crois. Et jusqu'à demain et mercredi, il y aura la même bannière. En fait, cette bannière-là te permet de pull vraiment 100% de chance d'avoir 9S. Ou 100% de chance d'avoir Eichu. Mais Eichu, tu peux la gagner dans le jeu. Je vais vous montrer comment, mais tu peux la déverrouiller en faisant des quêtes. Et 9S, lui, il est directement disponible en faisant 7 logins d'affilée. C'est-à-dire en te connectant 7 fois de suite au jeu, tu auras 9S. Par contre, Chubby arrive là. C'est-à-dire que là, mercredi, il y aura Chubby qui sera là. Par contre, le taux de rate, du coup, sera 100% de chance sur Chubby spécifiquement. Mais, 60 pull rate. Hein. Moi, j'en ai que 2. Je pense qu'il va falloir que j'achète. Tu vois, j'essaie d'économiser là mes black cards. J'en ai 5210. J'essaie d'économiser parce qu'apparemment, il en faudrait 11000 pour être sûr d'avoir Chubby. Au pire, j'en achèterai, tant pis. Alors. Ensuite, on va sortir de là. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer où est-ce qu'on gagne 2B. 9S. 9S, vous voyez, il est là. Donc, au 7e jour, en fait, vous l'aurez. Et c'est une classe S en vous connectant tous les jours, tout simplement. Donc, faites-le. Et en plus de ça, moi, en même temps, j'ai Bianca 0 que je vais avoir parce que je suis un nouveau joueur. Ouais, je sais. J'ai craqué à cause de Nier Automata. Mais en tant que nouveau joueur, tu vois, je vais avoir Bianca 0 dans 3 jours en même temps. Le pass peut être intéressant pour gagner des. C'est 6€ à peu près, écoute, ce pass. Et t'as 300 cartes plus 100 tous les jours. J'aurais pu le prendre pour 9S, mais pour 2B, mais au pire, je prendrais directement, tu vois, je prendrais directement de la thune. Ça se trouve, j'aurais de la chance, je vais la poule au premier regard. Alors, pour ceux que je voulais vous parler, donc maintenant, on va dans le thème Nier Automata. Ça, c'est les missions à faire dans le thème Nier Automata. Tu as des Yora Archives, notamment, dans lesquelles tu vas pouvoir faire monter le niveau, tu vois, de A2, moi, les level 4 et de 9S. Alors, c'est un mini-jeu, hein, ça n'influe pas du tout sur les skins de Eichu ou de 9S. Mais ça va me permettre de vous montrer du gameplay sur ces deux personnages. Go improve. Et hop, let's go, battle preparation. De toute façon, on peut rien changer puisque c'est par défaut. J'adore ce fond d'écran. Je l'ai pris un screenshot plusieurs fois, il est magnifique. Et du coup, on y va direct. Donc le jeu se présente de cette manière. Il tourne en 60 fps sur le téléphone, hein, pas d'inquiétude. C'est ce que j'enregistre en même temps. T'as tous les coups, genre, elle peut s'auto-détruire. Nines est dans ce mode-là, elle est en mode berserk. Tant que j'ai pas perdu, alors là j'ai désactivé, généralement tant que j'ai pas perdu mes 60% d'énergie, elle continue de rester en vie. Tu peux courir aussi comme ça. Ouh, mais quel connard! Pourquoi il me suit autant? Là tu peux hop, slider rapidement comme ça. Eh, mais vous êtes énervés les gars! Moi aussi je vais m'énerver, vous savez ça? La frise! De mettre des bombes à neutrons. Et là, tu transformes bombe à neutrons. Ça, comme m'a eu. Là, j'ai dodge. Du coup, comme dans Bayonetta, t'as le temps qui. T'as le bullet time qui arrive. Et tout d'abord, un truc, c'est que je me demandais pourquoi est-ce qu'il y a cette collab. En fait, les développeurs de ce jeu sont des gros fans de Nier Automata. Vous savez quoi? Ça se sent au niveau du gameplay. Vraiment, t'as pas l'impression que.
T'as pas l'impression que c'est un élément rajouté, t'as un zoom, le jeu il est fait pour ça, mais c'est vrai que quand tu regardes les combos des autres personnages, en fait, ils copient beaucoup ce qu'il y a sur Nier Automata. Quoi. Donc là, je l'ai full montée. Elle est en full X4. Donc là, elle est à fond. Non, 1 sur 4, d'accord, c'est des... C'est lui que j'ai pas encore fait du tout. Let's go. Alors c'est bizarre parce que même quand tu te bats pour 9S, tu as quand même... c'est quand même... Heichu que tu contrôles. Je vais quand même vous montrer du gameplay avec... Hop là, je mets en mode berserk pour essayer d'en terminer vite. Vous voyez, ça rassemble tous les persos en même temps là à côté. Allez hop, un petit trou noir. Dodge. Bon, je vais pas mentir, elle est pétée. Enfin, elle est vraiment forte en fait. Mais je pense qu'ils ont fait exprès pour te donner envie de la voir et de l'acheter. Tu vois. Par contre, j'enregistre sur le téléphone, c'est pas la meilleure idée au monde. Du coup, ça. Déjà, le téléphone n'enregistre qu'en 30 fps. Et ensuite, ça commence à impacter quand même sur le jeu lui-même. Les graphismes. Oh là, je vais mourir. Je vais pas mourir. Je vais mourir quand même, hein. J'ai failli mourir. J'aurais pas pensé que je serais presque mort dans cette mission là. Voilà, j'ai pu avoir une mission pour 9S, je vais aller continuer. Ce que je vais faire, c'est que on va aller au training. Mais pas au training de L, au training de 9S. Voilà. Ah ouais, d'accord, je peux avoir les deux. Je peux pas avoir tout dit par contre. Bah, ça aurait été trop facile. Là, je vais vous mettre du gameplay de 9S. Ne vous inquiétez pas, il est là. 9S, c'est juste que je switch de perso. Voilà 9S. Tada. Et 9S, du coup. NS, pourquoi tu disparais aussi vite? En plus, ces coups, ils sont bien, 9S. Je vais faire ce que je vais refaire les tutos. Comme ça, vous verrez mieux. Il y a une mission avec lui, mais il est moins mieux en valant. Alors déjà, t'as ses 4 coups d'épée. Il tient son épée à distance. Un peu comme dans Chubby, dans Soul Calibur. Tu peux dasher, il peut courir en dashant. Ça fait partie des rares persos qui peuvent vraiment courir comme ça très vite dans le jeu. Et tu veux balancer ton épée à la fin. Tu as aussi ton canon, enfin ton pote que tu peux utiliser. Et pour finir, tu peux faire des zones déserts d'influence. Comme ça dans lesquelles tu vas te battre. Vraiment sympa. Donc ça, c'est les combos de base de Heichu. Et j'ai rien gagné, mais c'est normal. C'est vraiment juste pour vous montrer. J'avais fait une vidéo avant, mais le son était trop pourri. Tu vas me dire, il est pas mieux là le son. Et ensuite, ça c'est la super attaque. Qui là. Enfin, c'est le super combo ça. Là, j'ai oublié. Donc 3 en fait. Et après les 3. Oh, j'arrive pas, si ça y est. Ce qu'il veut, c'est que tu vois, il voulait l'espèce de combo bizarre qu'à la fin. Et ça, c'est son signature move, qui est assez marrant. Parce qu'en fait, son signature move, tu vois, il consiste à hacker. Hop. Et une fois que tu as eu l'ennemi, tu dois hacker la zone. Et ça, c'est très Nier Automata, tu vois. Ils ont intéressé à intégrer ça, et je trouve ça top. Je trouve ça vraiment top. Voilà. Et du coup, ça donne ça. Ouais. Il est très CPU intensif, dites-moi. Merde.
J'adore les shoot'em up, hein. Je ne vous inquiétez pas, c'est normal que... Et voilà pour ces coups en fait, hein. Tu vois, t'arrives comme ça, hop, tu fais un coup de 3, un coup de 1. Et il est vraiment puissant en fait, parce que vraiment... je trouve que ces combos là, ils sont mortels. Pareil pour Aichu, elle est vraiment puissante, je trouve, pour une classe A, parce que c'est une classe A dans le jeu, elle est vraiment puissante et Chubby, elle est surpuissante. Chubby, je vais essayer de vous faire quelques secondes de gameplay avec elle. Et il faut juste que je parte de là. Je peux vous faire quelques secondes de gameplay avec Chubby. D'ailleurs, je vais prendre A2 et faire... Je crois que ça... Voilà, derrière Battle, il y a Chubby, mais on a juste quelques secondes. Tu vois, juste pour dire, voilà, la Queen est là. The Queen is here. Tu vois, il te laisse même pas jouer. Il t'a juste appuyé sur le triple 3. Voir ça, il t'a en mode... Oh, oh my God. Et te laisse faire venir, hop, A2 après, du côté de combat. Et... Le deuxième ping et un tripod et c'est tout, c'est fini, c'est tout ce que vous aurez de Chubby. Voilà, mais vraiment top comme collaboration, franchement je suis aux anges et j'ai déjà lâché 1€ dans le jeu. J'ai lâché 1€ pour alors je peux même pas vous montrer, je vais l'avoir là, pour un truc qui s'appelle One Per Day for 10 days, et en fait ça te donne un vœu par jour pendant 10 jours et ça coûte que 1€, et franchement ça vaut le coup, même si vous êtes en free to play. Si vous voulez remercier Def pour ce qu'ils font et tout, parce qu'il n'y a pas de pub dans le jeu, tu vois, moi c'est pour ça que je me suis dit bon, je vais déjà mettre 1€, tu vois, et après je verrai s'ils sont pas trop gourmands, on va, tu vois, il y a des trucs qu'on peut acheter en plus, non, ils te doublent tes points, c'est à dire si tu achètes. Par exemple, alors c'est un peu compliqué le système de monnaie, mais si tu achètes 5€, tu reçois 100 cartes. Non, t'as 28 cartes, putain. T'as 28 cartes, tu reçois 680 cartes. Pas de 680, 560 cartes. Tu vois, c'est pas trop mal. Et avec 560 cartes, tu fais... Recherche et développement sur la bannière de Nier Automata. Avec 560, tu fais que 2 vœux en fait. En vrai. Ça, c'est élevé. Mais bon, comme je disais, je me sens chanceux. On verra ce que ça donnera. Voilà. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. J'espère que je vous embête pas trop avec ce jeu. Mais je vous avoue, en ce moment, moi, je suis à fond dessus. Vraiment, je le kiffe. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt sur otaku.fr. Allez, ciao, bye bye. Je suis sur mon Xiaomi Redmi Note Pro Plus 5G. Et au passage, pour ceux qui se demandent, moi, niveau graphique, il est comme ça. Vous voyez, j'ai tout en ultra. J'ai baissé les shadows, le self VFX, les other VFX. Je les ai mis en médium. Les reflections, je vais même les baisser un peu. Les FPS, je les laisse en high. Ça et ça, je vais mettre en médium, voilà. Mais en recommandé, il n'est pas, il n'y a pas autant de trucs. Et tu vois, la résolution, j'ai mis en ultra. J'adore que la résolution soit vraiment élevée. Après, peut-être qu'en high, ça suffit. Mais je crois que je vois la différence, en fait. Tu vois, c'est légèrement moins défini. Mais ça suffit à ce que je le vois. Et du coup, je préfère avoir la résolution en high. Voilà, et là, c'est une finesse parfaite. Bon, les amis, cette fois-ci, je vous laisse. Ciao, ciao. Portez-vous bien et à très bientôt. Revenez sur la chaîne quand vous voulez. Ciao, bye bye.